soldats de ma vieille garde, après 20 ans, je viens vous dire adieu. La France a capitulé. Aussi, ne m'oubliez pas. Hélas, je ne puis donner. Salut les gens, c'est Little Geek and Friends, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre Let's Play sur Napoléon Total War. On est à épisode 7, j'espère que vous aimez cette série. On avait terminé notre tour, on avait fait une petite armée pour Napoléon, qui va bientôt attaquer Rennes et enfin bouter ses roast beef de France. J'espère que vous aimez le nouveau format. Je pense que ça va être le mieux à faire. Vraiment, des épisodes de 20 minutes. D'ailleurs, je mets mon timer. Voilà, il est 15h39. Ah. S'il te plaît, tu pouvais aller à plus grande vitesse. Voilà, c'est bon. Ah, je m'en doutais que j'allais faire ça aux Autrichiens. Ils n'attaquent pas la ville tout de suite. Donc peut-être que... Chier. Les Prussiens, je m'y attendais pas là. Et parce que, en plus, si je demande aux Néerlandais de me rejoindre dans la guerre, ça m'étonnerait qu'ils acceptent. Enfin, le truc, c'est que je n'ai pas assez d'armée. Vraiment. Déjà, j'ai l'armée de. Comment ça s'appelle? De Hanovre qui est morte. C'est pas vraiment une armée, mais bon, il y avait quand même un général dedans. Et après, j'ai déjà deux armées au nord. Murat, peut-être que je vais faire se replier, je pense. Et je vais renforcer les garnisons à Brest. À Rennes et à Caen. Ensuite, le mieux à faire, il y a toujours les Suédois qui me font toujours la guerre. Une flotte anglaise. C'est vrai que mes bateaux sont en train d'être construits aussi, j'ai quand même oublié ça. J'avais... 2300 gold, parce que ça fait deux semaines que j'ai pas joué, je vous le dis tous les gens. Et je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai dit à la fin de la vidéo? Qu'est-ce que c'était mes projets? Toujours les Espagnols qui foutent rien. C'est pas bien de pouvoir les jouer. Ah, si, vous faites quelque chose, et vous perdez. Et vous gagnez. Non, je sais pas s'ils ont perdu ou gagné. Si vous avez une grosse flotte. Et salaud. Bon. On a un raid de ce côté-là de la part des Suédois. On a un raid de ce côté-là de la part des Suédois aussi. Ma flotte, elle est prête dans combien de temps? 3 tours? 2 tours? Regarde mon sort. Non. Waouh. 4 tours, ouais, quand même. Ça va être long. On va faire grand chose pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire un petit bateau comme ça, le temps que ça se fasse. Les Prussiens se rapprochent un peu trop de Paris. Et entre Paris et Bruxelles... Non, assez Reims, au plus. Ouais. Quand même, Reims me rapporte beaucoup d'argent. Mais c'est moi où les Anglais se sont sauvés. J'aimerais bien que les Anglais se sont sauvés. Oh, il y a eu des rebelles. D'accord. Voilà, la ville est à moi. Je ne ferai pas le duché de Bretagne, non. Même s'ils en rêvent. Avec des rebelles bretons qui sont un peu trop OP, à mon goût. Voilà, voilà. On a toute cette armée d'élite. Anglaise. J'aurais dû faire ça avec Napoléon. Oh, quoique avec Napoléon, j'aurais pas pu, en plus. Donc, ouais. On va aller bouter ces Prussiens. Dommage qu'il n'y ait pas la marche forcée. Ça aurait été trop cool, hein. J'ai 5000 gold.
Est-ce que j'ai assez? Je regarde. Je gagne 4000. En tout. Est-ce que j'ai assez pour me faire une bonne armée? Enfin, pour entretenir une bonne armée, surtout. Tiens, j'ai cette armée qui arrive. Pardon, je viens de toucher mon micro. Voilà. On va recruter celui-là, de général. Voilà, en bon général. Il me reste 2000, plus beaucoup d'argent. Ici, je peux faire de la cavalerie, je vais en faire. Ici, je peux... Attendez, il y a ma souris qui est dissidente. Et je pense qu'avec les l'armée que j'ai ici, qui est en sale état quand même, je vais aller aider mes amis bavarois. Allez, Masséna. Oh! Pas de renfort de leur côté. Énormément de canons. Énormément de canons. Bon, je vous dis à toutes après le temps de charge. Me revoilà les gens. Ils ont mis leurs canons en place. Cette bataille va être sanglante. Ça, je vous le dis. Car je peux pas faire grand-chose, en fait. Attendez, je débarrasse un peu mon bureau. Ah, que j'étudie un peu la situation. Donc, ils n'ont pas d'infanterie légère. Ils ont une petite unité, quand même, de grenadiers suisses qui va... et de fusiliers suisses. Qui vont m'énerver. Ce sont des canons de 12 livres, hein, parce que sinon, c'était pas marrant, avec... une petite unité pour protéger. Des lanciers, et un régiment de chevaux légers. Ah, je sais pas comment je vais faire. Mon infanterie légère. Ils sont cachés de ce côté-là. Mon infanterie de ligne. Je vais faire des grandes lignes. Comme ça, je pense. Avec des lanciers de ce côté-là. Je vais pas charger les canons avec mes lanciers. Faudrait que j'attende si les renforts. Je vais être assez loin quand même, Masséna, pour pas qu'ils se prennent des coups. Le fusilier léger. On va faire avancer là. Les canons. Putain, ils attaquent mon capitaine. Mon général, je vais le cacher dans la forêt. J'espère que ça marchera. J'ai perdu quelques hommes de ce côté-là. Mes alliés arrivent de ce côté-là, ça c'est cool. Et mes alliés ont beaucoup de cavalerie. Ça sera un peu mal. Allez. J'ai pas vu où ils ont tiré. Ouais, cherche mon infanterie, les salauds. Ouais, je vais devoir me faire une raison. Ça va être compliqué, cette bataille, les gens. Je baisse un peu le son, c'est un peu fort dans mes oreilles. Voilà. L'infanterie légère qui n'est pas à portée, malheureusement. Je vais faire encore avancer. Il a bien positionné son infanterie, le salaud. Bien positionné son infanterie. Allez, j'avance encore un peu. Voilà, les premiers tirs qui sont faits. La part de mon infanterie légère. Avec très peu de pertes. Je pense que je vais devoir forcer ce truc. Allez. Lancier. J'ai perdu quelques chevaux sur cette charge, mais je l'ai réussi. J'ai réussi cette charge, chargeant leur dos. Ah, ils sont formés en carré. Vite, reculez.
et j'ai réussi à les avoir. Dégagez, 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 soldats. Mon infanterie légère, de ce côté-là. J'ai envie de perdre toute ma cavalerie sur cette action. C'est what the fuck ce qui se passe. Ah, c'est le bordel. Surtout. J'ai réussi à sauver mes lanciers. Le général est bien au chaud. Je vais la porter discrètement dans cette forêt-là. Ouf. Vite, le carré. Le carré qui passe, le carré qui passe. Alors, mettez-vous position normale. Je suis d'abord leur général. Les canons qui font très très mal. Non, je vais retirer mes soldats là. Ce côté-là. On va essayer d'avoir ces lanciers. Je vais charger ici, même si ça a l'air d'être une mauvaise idée. Allez, on charge. Oui, ça passe. Il fuit. Retirez-vous. Retirez-vous, gentlemen. Charge qui passe aussi, là. Allez, on continue, on les traverse. Bien positionner mes soldats de ce côté-là. Allez, on les fait reculer. Stop, 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 stop. Tirer sur leur général. Ça se passe bien. Ça se passe bien, mon allié fait que dalle. Mais je m'en sors assez bien. Je prends quelques pertes quand même. Les hommes ont la vision. Les hommes ont la vision. Allez. Bon. Concentrez-vous sur les... Eux. Vous. Ils ont encore de la portée. Non, sauf eux. Alors, positionner. Ma cavalerie, la duel de cavalerie de ce côté-là, je vais s'apprécier un peu au ralenti, l'action. Donc on a, oh, attendez, la mort du général ennemi, qui est tombé, qui doit être juste là. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ah mince, n'attendez pas à ça. Ah, ce sont mes hussards qui battent en traite. Mais leurs chevaux aussi battent en traite. Ça qui compte. Masséna qui est là. Je vais faire passer par là. Pour donner du moral un peu à tout le monde. Ici, le combat s'est bien passé. J'ai perdu quand même pas mal de cavaliers. Leurs canons sont toujours actifs. C'est ça le truc qui m'énerve. Leurs canons sont toujours actifs. Allez, essayez d'assassiner. Salut l'orbe. Il faut assassiner ces canons. Et ils protègent bien. Ils protègent bien leurs canons. Je vais même faire avancer cette ligne jusqu'à là. Ça se passe bien. Je poursuis les survivants. Avancez-vous. Ça se passe bien. Mes cavaliers n'ont pas fui. Putain, je les ai envoyés loin. Je les ai envoyés loin. Tout a l'air de bien se passer. De ce côté-là. Infanterie suisse qui fuit. Est-ce que leur canon, et encore leur canon, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en état.
Allez, tuez les survivants. Tuez-les tous. Ou par contre, cette charge qui va faire un peu mal, je sens. Oh oui, j'arrive à les intercepter. Non. Oh, il fuit. Il fuit. Il fuit tous. Ça se passe très très bien. Donc le dernier carré. Dernier carré allemand. Va se faire assassiner. Encore une salve, je pense que ça sera la fin. Non, les Français sont vraiment pas précis avec leurs fusils. Et enfin, mes alliés qui arrivent. Les alliés dans ce jeu, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'en avoir fini de ce côté-là. Oui! Victoire héroïque, les gens. Je viens de toucher mon micro, désolé. Je vous dis à toutes pour le récapitulatif de la bataille. Ça y est, les gens. Alors, on avait en tout 2200 hommes, mais bon, ça c'est avec les forces alliées. Ils en avaient 1150, on a perdu 320 hommes et eux 905. Alors, c'est les lanciers avec les chasseurs qui ont fait le plus de dégâts, comme vous pouvez le voir. Et je me suis pris quand même pas mal de pertes dans mes unités. Ils s'enfuient. Et je ne peux pas... je ne peux plus rien faire, là. Ça fait que je serai à portée... Ouh, ça c'est cool, ça. Plus 1 en morale, et plus 1 quand je commande de l'infanterie. Et plus 2 encore en morale. Ça, ça passe bien. Par contre, cette armée a des canons aussi, a des Grenzers. Ça devrait le faire. 1500. Il reste 1500, je peux pas faire grand-chose. Peut-être recruter encore un peu de milices ici. Qui se recrutera dès que j'aurai terminé ce tour. Parce que là, j'ai un peu peur pour Bruxelles. Bruxelles, je sais toujours pas comment on dit. Dites-le-moi. On est bon. On est bon. Non, technologie. Toi, tu recherches ça. Ça dans 4 tours, ça dans 2 tours. Ça dans 9 tours. Non merci, je vais demander à cette université-là de faire cette recherche. Voilà, pour avoir quand même pas mal de trucs à débloquer. Et la fin du tour. Donc, on va voir ce que vont faire. Ah mon dieu, regardez-moi toutes ces armées autrichiennes, quoi. Comment je peux faire? Pardon, j'ai touché encore le micro. Il s'enfuit. Non, elle s'enfuit pas. Que font-ils? Là, je peux rien faire, donc... Voilà, j'ai perdu cette unité. J'ai fait 110 pertes, quand même. J'ai fait 110 pertes. Les Prussiens qui s'éclatent contre mes alliés. Ça les distrait, c'est déjà ça. Et c'est ça, ils sont en route pour Bruxelles. Ils sont en route pour Bruxelles avec une armée bof quand même. Bon, l'armée est endommagée avec une unité à 4. Ils ont pas mal de niveaux, leurs canons vont m'énerver. Je n'en ai pas ce général. Ils ont deux unités complètement neuves et deux unités qui ont pris un peu plus cher. Donc je vous dis à tout de suite après le temps de chargement.